Mira, una serie de círculos concéntricos que todos tienen un número, dividido en rayos, tienen un número, 75, 74, 78, 70, y cada pintor tiene un número, entonces cada pintor va a coger su pedazo. Yo me imagino que una voz que todo ahí está preparada y está toda la vida. Porque la idea que tiene ella es tremenda. You know, each circle, you already explained you have the number. Yes. Yes. But they don't have the number yet. Don't they have the number yet? No. Ya no tienen los números de los pintores, ya cada uno no tiene su número. I think so. I think they already have it. Ayer, mucho tiempo perdido, desde hoy hay un hombre nacido, la verdad que venir, la razón que busqué, ahora será posible encontrar que el amor ha llegado, la todo el mundo sabrá que ya es mi la felicidad. El amor ha llegado. La campana al final sonará. vous m'avez demandé quel était le lieu qui m'avait le plus frappé, je vous dirais que c'est Santiago de Cuba. J'ai eu l'occasion de me promener dans la ville, notamment dans la vieille ville, où, qui est franchement très belle. On voit encore de très vieilles maisons, très attachantes. Je suis souvent pessimiste par tempérament, mais ici je me sens vraiment optimiste. Je sens que j'ai le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue à cause de tout le magnifique travail qui se fait ici. Et je n'ai qu'un souhait, c'est celui de revenir le plus rapidement possible à Cuba. Le moment, évidemment, où on se sent, on a la plus conscience de cela, c'est quand on est à 7 mètres ou à 10 mètres de Fidel, et Fidel est là devant eux avec ses yeux, et qu'il a un rapport direct avec la foule, et on se trouve en quelque sorte en présence physique de la révolution qu'il incarne à Cuba. Alors on a un sentiment de chance extraordinaire, et pour un intellectuel français qui vit dans un pays où la révolution semble impossible, c'est quelque chose d'effarant, on a l'impression de rêver, on a l'impression de... C'est comme si tous les mots qu'on portait en soi, qui sont des abstractions, devenaient des réalités. Et même dans les moments où la révolution n'est pas présente, apparemment, la vie est normale, on mange, on sort, on va dans un endroit pour danser, l'idée de la révolution ne nous quitte pas, jamais. Elle est toujours présente, elle circule comme ça, comme un signe invisible dans l'air.